Le screen posé par Makundu. Pour la combe qui suit, hein. Encore une fois, et la Fall qui va dissuader, c'est bien joué de la part d'Anosike. Ah, il shoot dans l'extrémité du corner, il est lourd. Ce shoot-là, il est venu de très très loin. Ah, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Hein. Cette équipe de Cholet, on voit, dès qu'il rate un tir, dès que ça part tout de suite en contre-attaque, et ils sont punis derrière. Artis. Ah, il va faire parler son physique, Dalo. Ah, il a tout intérêt, il est Okobo lâché. Il a impacté Okobo. Ah, il a bumpé sévèrement là. Thriller absolu encore une fois dans ses playoffs merveilleux à suivre sur Bein. Okay, c'est fort ça. Et c'est impact. Fort. Et impact c'est fort. À l'intérieur. Il va falloir qu'il trouve une solution. Otigi, il ne peut pas laisser Okobo comme ça en 1 contre 1 sur Dalo. Ça fait 3 fois qu'il se fait impacter. Bah, lui aussi devoir scorer. Okay, c'est fort ça. Il a dégainé Boris Dalo. Ouais. Lui, il a vraiment pris une autre dimension depuis quelques temps. Bien joué de la part de TJ Parker au niveau du coaching. Ouais, s'il le sort aussi rapidement, c'est peut-être justement qu'il est à court physiquement ou qu'il a peut-être quelque chose. Il veut le préserver une nouvelle fois. Ah, mais là, on sent vraiment Villeurbanne en maîtrise du basket des deux côtés du terrain. Ouais, il trouve de plus en plus de shoots ouverts en plus. Hein. C'est ça qui fait mal aussi. Dalo, lui aussi, il est ouvert. Oh. Lui aussi, mais dedans. Il fait un match et de bonhomme. À chaque Dalo, fois, vraiment. On croit que ça va basculer définitivement. De dégainer son shoot, David Lighty. Dalo vers Makundu qui pose un dribble, il est contesté, super, oh. Quel touché, il a envoyé ça rapidement sur le plexi, l'effet inversé en plus.